s'extraire de tous les pires. 31 kW pour 9 tonnes 5. C'est en fait le véhicule le moins puissant dans cette classe. Puissant, ce sera un Mercedes DB 2632, duo allemand, qui évite le trou le plus gros. Ça vaut 60 points de pénalité, plus 3 points pour un... Passage délicat pour les Biélorusses. Ils s'en sortent bien une nouvelle fois. Puissance à la zone numéro 23. C'est peut-être la préférée du public catalan. Fait beaucoup attention à la performance des compagnies. Clairement difficile à passer. Et vous voyez, la sortie est particulièrement délicate à négocier. Grosse difficulté là pour les plus puissants avec 84 kW. Et cela n'arrête pas Frank Langenberg. Et ça ne l'empêche pas surtout d'être resté le champion d'Europe dans cette classe depuis maintenant de nombreuses années. Cette année, ça va être plus difficile pour lui de conserver son titre. Place. Malgré une deuxième place à domicile à Ropen, ils ont vraiment eu des difficultés. Ils ont souvent été aux alentours de la cinquième place. Pas assez bien sûr pour être sur le podium final. Leur titre va leur échapper cette année. Le titre va leur échapper puisqu'ils étaient vice-champions d'Europe. Alcaraz, ils vont terminer quatrième. Deux catégories. En l'absence des Tchèques et des Français, le duo autrichien, les duos autrichiens, eh bien, vont se retrouver un petit peu tout seul dans cette catégorie. Numéro 701, Joseph Auwinger et Fritz Holub dans un Ural 43-20 qui développe 450 kg pour 8 tonnes. On est avec ce 8 roues motrices dans la section numéro 23. Le championnat de Truck Trail cette année, le titre est pour eux. Il est déjà à eux. Et même s'il y a eu un manque bien sûr de compétition, un manque de bataille dans cette catégorie, ça n'altère absolument pas leur qualité. Leur fighting spirit et leur courage. Ces belles images, on marque une nouvelle pause et on se retrouve bien sûr juste après au classement général. Une équipe qui avait démarré la compétition cette année seulement en République tchèque. Section numéro 11, on entre sur une zone très difficile avec le numéro 501, l'équipage néerlandais Wim Kamschreur et Henk Alders, également dans un Tatra 813. C'est une équipe très expérimentée,
qui ont détenu le titre dans cette catégorie pendant un certain nombre d'années. Mais dans cette année 2000, ils vont avoir du mal à retenir ce titre sur ce championnat d'Europe. Ici en Espagne, ils vont... Voici l'équipe maintenant qui détient la première place justement de ce classement général. Le numéro 555, Ronald et Rita Bormann avec Alexander Boudeux. Ils sont dans un camion MAN, un 15 tonnes de 260 kW. C'est le plus puissant dans cette classe. Pendant 10 ans, le couple Bormann a triomphé dans la catégorie S1. Et il a changé de catégorie cette année. Un changement radical. Un changement énorme puisqu'ils sont passés de poids plume à poids lourd. Et bien voilà, après 6 étapes, ils sont au sommet, à la première place. Et ils vont une nouvelle fois s'imposer en Espagne. La pénalité entre 412. 412 était le plus mauvais score dans cette zone, vous voyez la différence. Très belle performance donc du couple Bormann. Au même endroit avec un équipage russe, Alexandre Imeyev et Nikolaï Belov dans un Ural 53-23 qui développe 245 kW pour 13 tonnes 2. Une équipe qui vient du froid. Ils viennent en effet de Mias dans l'Ural.